قوافل التجار تغرق في بحر الذهب، والأيادي التي لوحت بالغار والزيتون ضوءا معتقا قببا أقوى سماع بدع عشتار وديموزي، سهام حب كيوبيد، هيام الإله الثور بيوروب، مزقها جلاد دمشق، حصدتها سكاكين الله، أتباع لا إله أحالوها رمادا، البادئون صلاتهم مع الفجر، أعوذ بالمال والسلاح من الله الرجيم، باسم المال والسلاح والغاز القدس الرحيم. Les caravanes de commerçants qui se noient dans une mer d'or, des mains qui agitent des lauriers et des oliviers, lumière des coupoles vieillies, les voûtes des temples d'Ishtar et de Dimouzi, les flèches d'amour de Cupidon, la passion du dieu taureau pour Europe, tout cela déchiqueté par le bourreau de Damas, arraché par les couteaux de Dieu, réduit en cendres par les adeptes du « il n'y a de Dieu » ceux qui commencent leur prière à l'aube par « que les armes et l'argent me protègent du Dieu vengeur au nom de l'argent et des armes et du gaz saint et miséricordieux ». الضوء منكسر على شرفات الحالمين بالندى وقد استحالت مذبحا والقرابين المعدة كانت من دمي ومن دمي أخي قوافل التجار تغرق في بحر الذهب والمال والسلاح والغواني تحتسي قهوتها في الكرملين أو في بكين في لندن أو برلين قرب نهر السين أو فوق قاسيون لا فرق قاتل له كل الوجوه. La lumière se reflète sur les fenêtres de ceux qui rêvent de la rosée, transformée en autel. Les sacrifices offerts étaient faits de mon sang et de celui de mon frère. Les caravanes des commerçants se noient dans la mer d'or. L'argent, les armes et les séductrices prennent leur café au Kremlin ou à Pékin, à Londres ou Berlin ou près de la Seine ou au-dessus du mont Kasyun. Aucune différence. Un meurtrier à tous les visages. Ce recueil est effectivement un long poème dans lequel, quand on entre dans le recueil, il y a, et ça je pense que c'est une dimension aussi importante, il y a des lauriers, il y a des oliviers, il y a un paysage d'Orient très vite. Et ce territoire, c'est aussi un paysage dont on sent, parce que c'est très sensible dans le recueil, indépendamment du politique, il y a aussi tout ce paysage et la beauté de cette terre. Et qui, la beauté, et la beauté de l'intérieur des gens qui ont commencé la révolution. Il était vraiment une vraie révolution, mais le média, dans le monde entier, elle a essayé à cacher la vérité. Elle a utilisé la même parole de Bachar el-Assad, qu'il y a des troupes salafistes et des islamistes. Mais en Syrie, il y a 23 millions de personnes. Maintenant, il y a 10 millions de Syriens qui ont quitté le pays. Mais si ils sont islamistes, est-ce qu'ils quittent le pays? Non, ils gagnent. Et aussi, dès le début, Bachar el-Assad, quand il a dit des troupes salafistes et des islamistes, on a se moqué de Bachar el-Assad. Nous, on a dit, en Syrie, il y a des troupes salafistes et des islamistes. Et comment? Sous un régime dictatorial. Et les islamistes, ils ne puissent pas apparaître. Ils ne peuvent pas travailler ni faire aucune chose. Et leurs armes, ils viennent d'où? Seulement pour détruire cette révolution, pour qu'il n'arrive pas à l'Arabie Saoudite, au Qatar ou tous les pays qui entourent la Syrie, ils ont commencé à détruire cette révolution aussi parce qu'elle a menacé le capitalisme. Elle a menacé le capitalisme et c'est interdit.
C'est interdit n'importe quel pays qui menace le capitalisme. Toutes les pays capitalistes, ils sont venus en Syrie. Ils sont venus en Syrie pour faire mourir les gens. Malheureusement, quand on ne voit pas un mouvement mondial pour dire non, il y a un blocage. Il y a le vide partout. Les gens, ils ne bougent pas. On sait bien qu'on n'a pas bougé pour la Somalie, par exemple, ni pour l'Afghanistan, ni pour le Bosnie et le Sarajevo. Et on a bougé un peu, mais... On a bougé un peu. Mais enfin, nous tous, qu'est-ce qu'on fait maintenant devant la Syrie? Ce n'est pas parce que c'est mon pays, vraiment, mais il y a en Syrie maintenant... le système mondial, il va changer. Le système économique et le système politique et tout. À partir de ce qui se passe en Syrie. Mais si on ne choisit pas, nous, qu'est-ce que nous voulons, ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils aiment faire. Bien sûr. Oui, on ne peut pas s'empêcher, bien sûr, de faire le parallèle, effectivement, avec la Palestine. Bien sûr. Oui. Il y a aussi... C'est difficile parce qu'on a très envie de parler de l'actualité et de dire, bien sûr, ce qui se passe aujourd'hui qui est absolument vital. Et vous avez raison de dire que ça détermine probablement et très même certainement l'avenir. Mais il y a aussi dans le recueil une autre dimension qui est importante. C'est le fait que vos poèmes le montrent bien. La Syrie, c'est un pays de peuples anciens. C'est toute une mémoire. Et d'ailleurs, vous convoquez des figures très anciennes de notre... humanité à tous, Ismaël, Abraham, etc. Donc en même temps, c'est une mémoire qui est attaquée. Exactement. C'est un passé qui nous appartient à tous. Depuis longtemps, il essaye à effacer notre mémoire et notre histoire en Syrie et en Irak. Le plus ancien peuple. Et comme on a dit, les mensonges... L'humanité, il est arrivé, si on peut dire, la civilisation entre parenthèses, parce qu'on ne sait pas comment on définit la civilisation et qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire la civilisation, les grands bâtiments ou construire l'homme à l'intérieur? On a depuis longtemps l'humanité, elle a détruit l'homme à l'intérieur et construire les bâtiments et les ponts et même les choses qui empoisonnent les hommes. Ils ont essayé à effacer notre mémoire et notre histoire et on a participé à la vraie civilisation. Nous étions un peuple qui a une civilisation, mais en même temps aussi nous sommes responsables parce qu'on n'a pas continué cette civilisation. Il y a une coupure. Mais à cause de la s'occupation, les pays qui nous ont s'occupés, comme la France et l'Angleterre, depuis cette époque, ils ont commencé à effacer notre histoire. Et on essaye, nous, en recours, depuis longtemps. Bon, oui. Mais à chaque fois, les dictatures qui travaillent avec le système mondial, je leur nomme, moi, les mafias locales qui travaillent avec la mafia mondiale. ils travaillent pour eux et pour qu'ils gagnent un petit peu. Bachar el-Assad, il gagne. Il a vendu le pays, mais il gagne un peu. C'est un commerçant. Ils travaillent pour ce système. Et je vois qu'il y a un seul système. Et sur la tête, il y a l'Amérique, par exemple. Et après, tous les systèmes mondiaux, c'est des employés dans le système mondial. Et nous, on tombe toujours dans le même trou. On reste en silence, on fait rien. On attache à ce système. Mais j'ai un rêve, j'ai l'espoir aussi qu'on arrive, toute l'humanité, elle arrive au même niveau de pensée, au même niveau de... Au même niveau de conscience aussi. De conscience, pour qu'on puisse sortir de n'importe quel système qui nous fait esclaves. Ouais.
Mais est-ce qu'on peut détruire une mémoire, Fadwa Souleyman ? Est-ce qu'un dictateur, même le plus criminel, c'est le cas de Bachar el-Assad, peut priver un peuple de son histoire ? Il a pu, vraiment. Pour ça, maintenant, il est arrivé à détruire le pays. Bachar el-Assad, avec les autres, il a vraiment effacé l'histoire pour que les Syriens, ils deviennent comme des fantômes. Et c'est très facile à leur diriger. Quand on efface l'histoire et la mémoire, on peut mettre dans les têtes ce que nous voulons. Et parce qu'il y avait aussi la un système dictatorial, les gens, ils ont retourné à leur religion. Il y a quelque chose comme ça. Chacun, les minorités, ils ont retourné, reculé vers leur minorité, les islamistes, les sunnites, les chiites, les parce qu'il n'y avait, pas des associations civiles qui leur représente. Il ne peut pas faire aucune chose. Soit tu sois avec le régime, soit tu retournes à la religion. Et on se voit ça partout dans le monde. Ce n'est pas seulement dans le monde arabe. Désolé, parce que partout. Après la chute de comment on dit, tous les idéologies, maintenant ils ont essayé à diverser le monde chrétiens, musulmans, pour la guerre qui reste parmi l'homme partout, pour construire toujours les guerres. Maintenant, Poutine, quelle est la différence entre Poutine et Daesh, par exemple? Poutine, elle a demandé à les pères de l'Église pour dire, pour le bénir. Elle a dit que ma guerre est sainte. Et est-ce qu'il y a une guerre sainte dans le monde? C'est impossible. Et Daesh aussi, où les islamistes, ils disent notre guerre est sainte. Et enfin, c'est quelle est la différence? On vous écoute à nouveau. Soleil. في العتمة المبهرة. الحناجر التي أطلقت فراشا أزرق. لتهبط الحرية غيما باردا أبيض كانت ترتل لله أغنية كي لا يفكر إلا بالحمام وبالسلام كانت تصد وحش دمشق لا تعرف اليد التي اقتلعتها أنها أنبتت في كل سوريا حناجر عباد شمس في حماة وغارا في حلب وفي درعا وداريا عناقيد عنب ماسا أحمر في الرقة وفي حمص الأكاسيا زنابق ماء في الفرات نوتة نهر دجلة الخالدة مكتوبة بأبجدية أوغريتا وعمريت فوق رقم طيني محفوظ في كفر نبل تقول وهي لنا وما هي لبيت الأسد عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد واحد 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 الشعب السوري واحد لا سلفية ولا أخوان بدنا دولة مدنية Dans l'obscurité éblouissante, les gorges qui ont lancé des papillons bleus pour que la liberté descende en nuages froids et blancs chantaient des hymnes aux dieux pour qu'ils ne pensent qu'aux colombes et à la paix. Elles s'opposaient aux monstres de Damas. La main qui les a arrachées ignore qu'elles ont éclos dans toute la Syrie. Des tournesols à Hama, des lauriers à Alep, à Dara, à Daria, des grappes de raisin, des diamants rouges à Raqqa. Des acacias à Homs, des lilas sur l'Euphrate, la musique éternelle du tigre, écrite par les alphabets d'Ougarit et de Amrit, gardée dans les écritures d'argile conservées à Kafar Nabil, clamant. Elle est à nous et non pas à la famille Assad. Vive la Syrie, Abba Bachar el-Assad. Unis, unis, unis le peuple syrien est un ni un salafiste, ni frère. Nous voulons un État laïque. Merci. Merci.
cet hymne, Fadwa Suleiman, c'est celui qu'on entendait dans les rues en Syrie, au moment où le peuple est descendu pour réclamer la liberté. Exactement. C'est, j'ai préféré mettre ces slogans de peuple qu'ils ont enfantés, qu'ils ont créés dans la poésie. Ce recueil est un peu spécial parce que j'aimais enregistrer l'histoire syrienne par la poésie. Comme vous avez dit aussi, que notre mémoire et notre histoire et la lumière et la beauté de la Syrie, notre ancienne histoire mélangée avec l'histoire d'aujourd'hui, que dans mon regard, le soulèvement du peuple syrien, il était le soulèvement de cette ancienne civilisation. Pour qu'on retourne, est-ce que les dictatures, elles puissent effacer la mémoire? Oui, elles puissent quelque temps, mais toujours, il y a l'espoir qu'il y a un moment que le peuple se réveille pour retrouver eux-mêmes. Il y a une phrase qui est très forte dans ce que vous venez de lire, c'est lorsque vous dites ni salafiste, ni frère, les Syriens sont unis. Ça signifie au fond que toutes les divisions, elles sont totalement artificielles? Bien sûr, bien sûr. N'importe quelle dictature, ils utilisent beaucoup de cartes pour faire une guerre. Les Syriens, tels de début, ils ont sorti dans les rues pour demander leurs droits. Au début, ils n'ont pas demandé le chute du régime Assad. Ils ont demandé où est notre enfant. Vous avez pris notre enfant et torturé notre enfant. Nous voulons nos enfants. Et quand le service de sécurité a insulté ces familles, ils ont sorti dans les rues pour demander leurs enfants et pour aussi juger les gens qu'ils étaient responsables de ça. Et le régime Assad, tout de suite, il a commencé à tuer les gens dans les rues. Il a commencé à tuer. Et après, ils ont demandé enlever le loi de l'état d'urgence, juger les responsables. Il a continué à tuer. Elle a laissé les armes devant les portes des maisons pour les gens qui utilisent les armes. Les civils, ils ont ramassé les armes et les redonné au régime qu'on n'a pas besoin, même qu'ils tuent. Ils ont resté 8 mois pacifistes. Ils n'ont pas utilisé les armes. Mais après 8 mois, ils n'ont pas pu supporter. Parce que aussi la sauvagerie de Bachar al-Assad, il est devenu immense. Comme on a dit, il a suivi les pacifistes. Ce n'est pas les gens armés. Il a suivi les pacifistes. Il a arraché leur gorge. Il a arraché le gorge d'un jeune homme qu'il a donné de l'eau et des fleurs à les armées syrien qui s'appelle Rayas Matar. Il a tué aussi Hadi Jundi. Il a tué beaucoup de Mishal Tumon, c'est un Kurde. Plusieurs Syriens, il était de plusieurs minorités, de plusieurs origines, qu'ils étaient à la tête de cette révolution pour qu'ils commencent à tuer le peuple, pour qu'ils puissent diriger la révolution vers ce qu'ils veulent. Guerre civile. Et ça, c'était au tout début, c'était la même année que les révolutions tunisiennes, égyptiennes, etc. Il y a eu un élan formidable en cette année 2011, qui était pleine d'espoir. En Syrie, ça a tourné à la tragédie totale. C'est le pays, c'est le seul dans lequel, même si la situation égyptienne n'est pas forcément facile, la Tunisie, c'est encore autre chose, mais c'est vraiment le seul pays dans lequel ça a tourné au cauchemar. Est-ce qu'il y a une explication à cette différence, à cet écart, entre ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte et en Syrie? Je peux un peu résumer la situation dans le monde arabe total. Qu'est-ce que s'est passé exactement? Que nous sommes toujours sous l'occupation de l'Occident.
Al-Qazafi ou Saddam Hussein ou Hafez al-Assad avant, Bachar al-Assad maintenant, Hosni Moubarak, n'importe quel président dans le monde arabe, c'est, il est lié avec les Occident. La succupation, la France et l'Angleterre, ils ont sorti de notre pays, mais ils ont avec une relation très forte avec Ben Ali en Tunisie et le roi de Maroc, le roi de l'Arabie Saoudite et Qatar et tout. Ça veut dire, nous, comme peuple arabe, depuis longtemps, on a une complication devant tout le monde, parce que quand on fait quelque chose de démocratique contre notre régime dictatorial, on trouve que l'Occident, il soutient les dictatures ou les islamistes contre les démocrates. Mais ils disent dans les médias, toujours, qu'on soutient les démocrates. Et les démocrates chez nous, ils tombent toujours dans la même trou aussi, la même trou que l'Occident, il va nous soutenir. Parce que c'est quand il vient ici, il trouve la liberté, la démocratie et tout, et il pense que... Mais non, non. L'Europe, elle a fermé malheureusement la porte devant la démocratie depuis longtemps. C'est interdit qu'il arrive vers nous. Pourquoi la Syrie, elle est devenue comme ça? Parce que Bachar al-Assad, tel de début, elle a des alliés très forts. La Syrie, c'est un pays à côté d'Israël. Aussi, le lien de gaz qui va sortir de Qatar, c'est par le terrain syrien vers la Turquie. Poutine, il veut contrôler ce lien aussi pour vendre les gaz à les Européens plus cher. Il ne veut pas que les Européens qui profitent de ce lien. Pour ça, cette guerre maintenant, entre eux, ce n'est pas une guerre civile. C'est cette guerre parmi les grandes puissances pour leur intérêt en Syrie. S'ils trouvent une solution parmi eux pour arrêter cette guerre, ils arrêtent. Mais sinon, non. Toujours, ils jettent un mensonge derrière un mensonge. Maintenant, en Syrie, il y a 63 pays coalition mondiale pour frapper Daesh. Mais Daesh, il travaille sur... Il connecte avec quel réseau d'Internet, par exemple? Si nous, on marche maintenant, ils savent tout. Il y a le Google Earth, où on dorme, où on mange, où on fait la soirée, qu'est-ce qu'on fait, on rencontre qui, on contacte avec qui. Mais jusqu'à maintenant, je réfléchis beaucoup. Daesh, il travaille sur quel réseau d'Internet pour qu'il attrape pas Daesh. En Syrie, la catastrophe, que aussi il veut que l'Iran et l'Arabie Saoudite font une guerre entre eux. C'est les Occidentaux. Et nous aussi, on a des responsabilités parce que notre dictature, horrible, ils ont accepté être un esclave pour ce système. Et nous, toujours, on essaye quelque chose, mais il y a beaucoup de forces contre nous. On ne peut pas, soit les dictatures, soit les islamistes, soit les Occidentaux. Pour ça, la Syrie maintenant, ils détruisent la Syrie. Aussi pour donner la leçon de n'importe quel peuple, dans n'importe quel pays dans le monde, pour dire, voilà, si vous voulez demander votre droit, c'est voilà. C'est... Même ici, je vois qu'il y a beaucoup des actions qui retirent peu un peu la liberté de nous tous. On écoute à nouveau un extrait du recueil. D'accord. ويسراي غابات أذرع مقطوعة لا تزال تلوح بالسلام في العتمة المبهرة هاربة من مجزرة خارجة من قبر جماعي خائضة آلام شعبي وبحور دمائهم وأشلائهم حتى سكن القاتل نصف وجهي وأشلاء الضحايا نصفه الآخر أحاول جمعها عبثاً فأخيط عين قناص برأس ضحية دون أن أندب موتي في العتمة المبهرة
روحي مسمرة على جدار الزمان بعظام الهنود الحمر والأرمن والشيشان من يوقظ فينا تلك الذاكرة؟ Dans l'obscurité éblouissante, ma main droite est un pont formé des têtes de mes amis et ma main gauche de forêts de bras coupés qui continuent à réclamer la paix. Dans l'obscurité éblouissante, fuyant un massacre, sortant d'une fosse commune, plongeant dans les peines de mon peuple, dans les mers de leur sang et de leurs lambeaux, jusqu'à ce que le meurtrier occupe la moitié de mon visage et les membres des victimes l'autre moitié. J'ai essayé de les rassembler, l'œil du tireur d'élite à la tête de la victime, sans pleurer ma mort. Dans l'obscurité éblouissante, mon âme est crucifiée sur les murs du temps, avec les os des peaux rouges, des Arméniens et des Tchétchènes. Qui réveillera en nous leur mémoire ?